Pour Mourdi, la délégation s'est mise en route très tôt. Question pour elle de gagner du temps. 80 km après la ville de Baoubilia, la mission découvre quelques merveilles touristiques. Cela atteste les potentialités culturelles de notre pays. Au fur et à mesure que nous progressions, la chaleur s'intensifie également. Pour prendre de l'énergie, la mission a marqué une pause. Finie la pause, nous reprenâmes le voyage pour Mourdi. C'est le moment d'affronter la dépression. Il faut bien gonfler le pneu de peur qu'il ne soit endommagé. Commence alors le moment le plus difficile car il faut grimper les collines. Ici, un chauffeur non qui veut et plutôt chauffeur qui peut. Parfois, le risque est grand. Le conducteur se doit d'avoir du calme et de la maîtrise de soi. Le tout doublé de son savoir-faire. Parfois, des petites pannes s'improvisent. Il faut apprêter le pneu secours. Une distance de près de 80 km qu'il faut parcourir sous tension. Dieu merci, nous arrivâmes à Mourdi. Le retour fut sans problème jusqu'au moment où l'un des véhicules de la délégation se renverse. 5 personnes, y compris le gouverneur de la province de l'Indi-Est, Ngarbo Diomedeur Jacob, sortent indemnes de cet accident. Dieu a veillé. Puis, la mission reprend le chemin pour Amdjaras.